journée, en fait, c'est assez simple. C'est deux entraînements par jour. Fait que je me réveille, je m'en vais à l'entraînement. C'est soit à 8 h ou soit à 10 h. Puis après ça, ben je reviens ici. Ben, c'est sur la glace, en fond. Fait que je m'entraîne sur la glace à peu près 1 h 30. Puis après ça, je reviens ici, je gym, je prends un bain. Je fais ma petite routine de genre, j'ai eu froid, je prends un bain, je fais une sieste. Puis après ça, je retourne à l'entraînement qui est sur la glace aussi. 1 h 30 aussi, puis c'est ça, je reviens souvent autour de 5 h, 6 h le soir. Puis c'est ma journée typique. Dans une année olympique, dans le fond, pour moi, mes temps libres sont beaucoup de vraiment me sortir de mon quotidien. Fait que je vais, tu sais, là, j'ai pas pris de cours cette session-ci, mais honnêtement, avec l'école, ça me sort vraiment beaucoup de l'aspect très performance. Fait que pour moi, c'est une façon pour moi de juste apprendre sur l'humain, parce que j'étais en éducation spécialisée. Donc pour moi, j'adore me sortir de mon monde de performance puis d'aller me ressourcer là-dedans. Puis sinon, ben mettons une année olympique, c'est comme, étant donné qu'il y a des travaux à remettre, puis des fois le stress pour moi, c'est comme, je vais vraiment canaliser le stress pour la performance. Fait que je vais préférer plus, mettons, aller peinturer qu'aller à l'école. Fait que je vais peinturer, je vais écouter des émissions, je vais lire beaucoup. Fait que non, c'est ça, c'est assez variable, mais c'est vraiment de me sortir de mon monde de performance. Ouais.